Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui c'est la S3 Challenge. Yo la S3 Family, bienvenue dans ce nouvel épisode du S3 Challenge. Vous allez voir, il sera un peu spécial. Cette fois-ci, la S3 Family, nous ne sommes pas sur notre terrain de foot habituel, mais je dirais même que nous sommes au Camp Nou. Mais non, on va aller voir un Messi là. On est à CTLS, comment ça va? Ah, Messi. Bonjour à tous les amis, et ben non, aujourd'hui on n'est pas au Camp Nou, aujourd'hui on est au Zénith de Paris pour un événement League of Legends organisé par Riot Games et je peux vous dire que c'est le fin. Les gars, on a été invités par Riot Games, c'est un truc de malade, le parallèle entre le football et League of Legends se fait totalement, une ambiance de feu, un truc de ouf, venez, venez, venez. Les gars, comme on vous l'a dit, c'est un S3 Challenge. Et même si on est un événement League of Legends, eh ben on va se lancer des défis, les frères. Vous êtes prêts? Bon, alors, qui a des idées en tête là? J'aimerais que tu fasses un street show. On va que tu fasses le maximum de tricks et que tu fasses crier les gens, mon gars. Ici? Ici. Je sais pas comment on va se démerder. Mais gros, c'est impossible, wesh. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui. Ok, je relève le challenge. Ok, mesdames et messieurs, c'est l'heure du street show. Never be turning around, never be turning around, hey. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. Never gonna crash, I know I'm never gonna crash, ayy. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. Défi relevé, mon gars. Trop facile. Non, j'avoue, j'ai eu chaud. Au début, j'étais un peu timide parce que t'as vu, c'est pas vraiment le même univers. Donc les gens, ils me regardaient bizarre un peu. Genre. Ouais, mais t'as réussi, t'as réussi. Ouais, j'avoue. Mais quand les gens, ils te regardent en mode pourquoi il a un ballon et pas une baguette magique. On va passer à Andreas. Annie, viens, on se concerte. Je pense que j'ai un petit défi dans le monde du gaming. On pourrait croire qu'il n'y a pas assez de filles, mais il y en a des filles, ok? Donc, Andreas, ça va être un défi avec des filles. Pourquoi Andreas, il y a toujours les meufs? Parce que... Moi aussi, je veux les meufs, ouais. Parce que c'est un sale sabot, tu vois. Il doit trouver un maximum de filles et faire un petit défi avec elles. Le petit défi, ça va être spinner le ballon sur le doigt, tout simplement. Donc, faut qu'il arrive à 20. Faut qu'on lui donne un chiffre. 10. 10. 10 meufs. 10 meufs. 10 meufs. 10 meufs. 10 meufs fraîches. Yeah. Non, je rigole, juste 10 meufs. C'est pas fini. On a encore. T'en as encore 20, hein, perso. Hop. Take the pen and say to the camera, I love S3. I love S3. Thank you very much. Work strong. And say to the camera, I love S3. S3. I love S3. J'aime S3. I love S3. I love S3. Yeah. I love S3. Yeah. S3. Yeah, thank you. I love S3. Yeah, thank you. Merci beaucoup, excellente journée. Bah voilà, Andreas. Voilà, c'était la dernière. Fin, je pense que j'ai réussi. Victory. Excellent, excellent score, Andreas. Check. Oui, check, bah oui, bah attends. Ah, bien joué Jean-Pierre, bien joué, bravo. Alors tes impressions? Bah franchement c'était cool, hein, bonne expérience. Et bon, comme il a dit, on pourrait croire qu'il n'y a pas de, assez de filles dans ce milieu là. Et vous avez vu, hein, moi j'étais étonné par... C'est pas les plus bonnes meufs mais ça va. T'es un gamin, ça. C'est validé, faut qu'on trouve un dernier défi pour Annie. Avant dernier défi pour Annie, attends, on a fait du freestyle. On a fait un truc interactif. Logiquement, il faut faire du pana. Enfin bref, Annie devrait mettre le maximum de pana en une minute à des gens qui ne connaissent pas. Salut Jean-Pierre. Salut. On a trouvé ton défi. Tu vas devoir mettre un maximum de pana à des inconnus. Et tu auras une minute pour ça. C'est des inconnus, mais si on se connaît déjà. Bah si tu les connais déjà, ça compte pas. Ok, c'est bon, ça. Donc, tu vois, si tu croises ton oncle Mahmoud, mais que tu lui mets un petit pompa, ça compte pas. Ok, pas de soucis. 3, 2, 1, c'est parti. 1. Oh!
Désolé. Ça fait 10, c'est pas mal. C'était mon score, hein. C'est ce que je devais faire. Allez, on y va. Yo les Astro Family, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir visionné. Voilà, on vous a montré un peu ce que c'était que l'univers LOL. Franchement, c'était un truc de ouf. On n'arrive pas à croire que c'est la même ambiance que. Je dirais même qu'il y a plus d'ambiance que dans plus de 60% des stades de Ligue 1. Donc franchement, c'était un truc de ouf. Merci à Riot Games pour l'invitation. C'était de la frappe. En attendant, les gars, la recette n'a pas changé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré.